sur la santé des populations. C'est dans le cadre de la CENI Saumon, la célébrité des quartiers du premier arrondissement de Mumba, que s'inscrit cette cérémonie de remise du matériel par Philbert Ndimbé. Un don composé des borettes, des fourches, pelles, gants, bottes, destinées aux CQ 105, 106, 107, 108, 109, 113 et 114. Tenue dans la grande salle du lycée technique Thomas Sankara devant plus de 1500 personnes, cette cérémonie a connu trois phases. La première, le mot du représentant des chefs des CQ. Nous sommes dans la joie aujourd'hui parce que grand jour qui restera gravé dans les annales de nos sept quartiers, qui reçoivent avec déférence un hôte et un hôte de marque aux vertus sociales insondables. J'ai cité Fulbert Ndibé, Diya Philo, notre Jésus, que nous applaudissons très fort. En seconde phase, le mot des circonstances de Fulbert Ndibé. Il y a effectivement quelques mois, devant plusieurs sollicitations, j'avais sollicité et obtenu des rendez-vous avec mes frères, mes sœurs et mes parents ici réunis. Je suis venu vous voir, chacun dans sa zone, chacun dans son bloc, chacun dans son quartier. C'était pour échanger fraternellement sur essentiellement les problèmes qui minent notre existence dans la cité. Enfin, la remise d'un échantillon du lot à chaque chef de sécu et un drapeau par le donateur. Et c'est de noter que cette cérémonie est intervenue après plus de 35 rencontres citoyennes organisées entre la population et Philbert Ndibé. Pour ceux, cette population a demandé qu'ils soient leur candidat aux élections législatives que pointent à l'horizon.